Les amis, la nouvelle saison a enfin commencé et vos crédits sont d'ores et déjà prêts sur FIFA Coin. N'hésitez pas à utiliser mon code PSYCHO pour une réduction de 5%. Faites-vous plaisir, achetez les joueurs que vous avez envie. Le lien est dans la description. Pour éviter tout problème, n'hésitez pas à utiliser au plus vite vos crédits. Achetez un joueur tout simplement ou utilisez-les pour ouvrir des packs. Mais ne gardez pas les crédits sur votre compte et changez votre mot de passe le plus rapidement possible. Du coup les petits potes, gros pack opening aujourd'hui. Donc on a en boutique le DCE grosse affiche qu'on a fait. Donc voilà, je l'ai fait hier soir. Je me dis vas-y, on prend de l'avance. Donc voilà, on va ouvrir tout ça tranquillement. Et après bien sûr les packs en boutique et on va espérer packer des joueurs qui pourraient nous intéresser. Alors je réponds directement à la question aussi de David Beckham. Bien évidemment il est sorti en SBC. Le problème c'est que j'ai pas envie d'investir 400 000 alors que le joueur je pense qu'il va encore baisser parce que sa carte est pas forcément folle et j'ai les moyens de l'acheter et de le revendre pour pas niquer mes crédits et niquer tout ce que j'ai. Donc du coup je préfère pour l'instant ne pas le faire, hormis si j'ai 6 joueurs à 88 ouais bah peut-être, mais à la base je veux pas le faire parce que j'ai pas envie de balancer mes crédits là-dedans et je préfère garder mes crédits pour être plutôt tranquille, tu vois. Donc on verra un peu ce que ça donne. Orban, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais après, ouais, on verra un peu après le pack opening, justement, l'équipe éventuellement qu'on pourra en sortir. Et ça va être sympa. 81 minimum, un pack joueur rare mélangé. Pays-Bas, MDC, bah c'est ce qu'on aime bien à la base, hein. C'est ce qu'on aime bien. Timber, non, je sais plus, le... Ah, merde. Oh merde, vous avez compris quoi. Spitz, enchanté madame. Vous allez pas être intéressante malheureusement pour nous sur ce coup-là. On a plutôt des filles qui jouent au FC Barcelone s'il vous plaît. Ça serait totalement dingue. Bon, au final, pas fou. Alors, contient deux éléments. Joueur or rare, plus un choix de joueur de prêt. Je suis même pas sûr que ça vaut vraiment la peine. Vas-y, c'est quoi, de toute façon, on va ouvrir. Ouvrons, on a des points, ouvrons tout ce qui traîne. Suède, défenseur central Everton. C'est une féminine ça, non? Ouais. Bjorn, c'est pas forcément fou quoi. Ouais, en fait c'est pour les joueurs de prêt quoi. Ok, bon pour les joueurs de prêt pourquoi pas, mais le reste. Vas-y, voyons voir ce qu'on a de prêt, ça peut nous aider peut-être un jour. Bon bronze, on l'a déjà. Cancelo, on l'a pas. On va prendre Cancelo. De toute façon, je vais le tège, je pense. Solskjaer, ok. Oh, bon Pastor, enchanté. DLG, MG, ok. Bah non, du coup, on va prendre Ole Gunnar Solskjaer ici et une icône de prêt. Toujours pas d'icône vraiment folle. On va prendre Xabi Alonso, j'avoue. Ça, je vais enlever. Bah, les gars, je crois que c'est parti. Hein. C'est un méga pack opening qui part. Hein. Let's go. Que la chance soit avec nous. À la recherche d'une icône à l'heure actuelle. Notre première icône, ce serait magnifique. On en demande beaucoup, je sais, mais bon. Qui ne tente rien n'a rien, les gars. Alors, André Silva, ça va pas nous intéresser ici, malheureusement. J'ai peut-être bugué, hein, c'est possible. Anglais, attaquant droit. Arsenal. Non, Saka. C'est joli, mais c'est pas Saka. On va pas la jouer, bien évidemment, parce qu'on est plutôt parti sur le FC Barcelone, clairement, sur les féminines. Ce sera pas elle, quoi. Belgique. DC, c'est boosté, les gars, je crois. Ah, ouais, mais ça va pas être fou, je pense, du coup. Parce que je ne connais même pas ce club, j'avoue. Alderweireld, ok. Bah, respectons quand même un 84 boosté. C'est quand même joli, hein, mine de rien. Très sympa. Il y a une carte assez jouable aussi, hein. Pas déconnante. 13 000, bah écoutez, on va garder dans le club pour l'instant parce que les boosts, je les trouve pas très chers. En tout cas, on a une carte spéciale. Et ça, on en est ravis. Buteur, Fenerbahce. Dzeko qu'on a eu en carte Europa. C'est pas déconnant de stocker pour le moment. Français, défenseur central, Liverpool. C'est plutôt pas mal, mine de rien. Assez jouable, hein, le petit Konaté en début de jeu. Ah, il nous reste 4 packs comme ceci. Après, on upgrade la qualité. Espagnol, milieu défensif, oui. Non, je pense pas. Hein. Coquet, ouais. 83, je crois. 4. DC, une terre de Milan. Oui, bah Benjamin. Benjamin Pavard, bien évidemment. Si on fait une petite dernière animation sur les premiers packs, franchement, on est ravis. J'en demande toujours un peu plus, mais il faut tenter. Hein. Sulé, sympa. Sympa le petit Sulé. Très fort. Mais me connaissant, je vais zapper. DC, oui, bah oui. C'est pas mal aussi. Ben, ça vaut pas grand-chose. Koulibaly. Ça peut être assez fort, hein, mine de rien. Au début du jeu, comme ça, ils mettent quand même des dingueries hein, en pack. Hein. Tottenham, milieu offensif anglais.
Madison. Moi, j'ai vu des commentaires, les gars, sous l'annonce de David Beckham. C'est là que tu vois que on n'a pas la même vision du jeu. Les mecs disaient, ouais, autant faire Madison, il est meilleur. Oui, non, mais d'accord, mais ça reste David Beckham, quoi. C'est une icône, c'est légendaire, tu vois. Pas la même vision du jeu. Bon, après, je vais pas le faire, donc à tout moment, je suis un peu comme eux maintenant. Défenseur gauche, c'est pas Canada, hein. Non, c'est pas Canada. J'ai cru, mais non. Prenez-nous un petit peu de quoi vibrer, là. Brésil. Ah, Neymar ? Non. J'ai pas vu si c'était animé ou pas. Gabriel Martinelli, ça va, c'est pas mal. 84. Je sais pas si c'est une petite valeur encore, Martinelli. Je pense pas, en vrai, hein, vu la carte. Ah, 8000 quand même. 7000. Oh, quand même. Voilà, ça partira à ce prix-là. Il en reste 4 comme ça. Non, moi, je les aime bien, ces packs, mais là, on n'est pas... Ah, il me semble que c'est animé, mais je suis pas sûr. MC espagnol... Ouais, bah oui, c'est toujours le même. Quand on a une animation, ça va toujours être le même, hein, les gars. Ça change pas, hein. Par héros. Voilà. T'as une animation, c'est par héros. C'est tout. Pack joueur, hors prime, encore. Ah, il me semble que c'est animé aussi. Portugais, oui. MC, ah oui. C'est pas mal. Bernardo Silva. Très sympa. Voilà, on commence un petit peu à faire des gros trucs, là, les gars. Bernardo Silva, c'est sympa. 88 de général, pas déconnant. Ça fait des petits crédits, ça, je reconnais. Allez, un petit 15 000 environ. Voilà, un petit 15 000. On mettra 12 000 prix de départ. J'arrive toujours pas à voir si j'ai un ou pas. En gros, quand tu ouvres le pack, t'as un petit logo IFC qui est en bas du pack. Et quand tu ouvres le pack, t'as un trait lumineux qui descend en diagonale dans le pack. Si le trait lumineux touche le logo IFC et il le traverse, c'est pas animé. Si le logo IFC disparaît avant que le trait lumineux le traverse, c'est animé. Donc là, fixe bien le bas du pack, tu vas avoir le logo et t'as un trait qui arrive. Et si le trait le traverse, c'est pas animé. Voilà, là, le trait a traversé le logo IFC qui était en bas, en vert. Et donc, du coup, c'est pas animé. Ah, c'est un peu galère à voir, mais c'est ça pour l'animation, quoi. Voilà. Et après, double animation. Alors, en gros, faut déjà avoir une animation. Et si la carte du joueur que tu vois a déjà son général de base et pas le chiffre qui défile, ça veut dire qu'il y a une double animation derrière aussi. Mais même moi, des fois, je le vois pas. Hein. Alors que c'est animé, des fois, je l'ai manqué tellement ça va vite. Ça faut vraiment être focus. Ruben Neves, non merci. Bon les gars, pack à 50 000 vendables, dont un joueur à 83+. Allez, on arrive sur les gros packs là. Putain, c'est pas animé, c'est-à-dire que c'est 85, tu vois, des... Ah, hop. Oh. J'ai bugué ou pas? Non, il me semble que c'est juste, hein. Non, c'est juste, même pas ça, même 84. 83, putain, même pas, putain. On souffle quand même là, eSport, hein. 83+, boum, 83, oh, fatigant. Le deuxième. Eh ben, je crois qu'on s'est fait malheureusement chier dessus, les potes. Ah non, Varane, ok, ça me va. C'est des creds. Et encore une fois, hein, ça fait deux fois qu'on le pack, Raphaël Varane. Franchement, à tout moment, on le inclut dans l'équipe, hein, avec Virgil. Hein. On va réfléchir. Je le revendrai peut-être après, mais on va réfléchir après à l'équipe. On le garde pour l'instant, Kipembe. Non, s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît. Allez, dernier pack vendable à 50 000. C'est dur de packer des trucs dans ces packs-là, hein, alors que c'est 83 minimum. Ah, Memphis, c'est pas ouf. Ouais, non, ouais, pack à 83. Mais en fait, les packs vendables sont toujours compliqués, hein, en vrai. Un petit classique. Ok, attends. Il y a un monde, hein. Il y a un monde où il peut être intéressant, lui. Il a des styles un peu. Ah, il y a un monde, hein. On verra, on testera peut-être. On espère au moins avoir une animation, je vais pas vous mentir. 1000 points, c'est parti, let's go. C'est animé. Oh, oh, Lewandowski, c'est incroyable. Ah, putain. Double animation. Allez, peut-être. Casemiro avec. Ok. Bah, sympa, tu vois, hein, les packs vendables et non vendables. Il est RTTK, le Robert. Ah oui, putain, j'ai pas pensé, bien joué. Ok, Casemiro, et ben, il y a peut-être mon milieu de terrain qui vient de se former, là. On a peut-être Casemiro qui va rentrer aussi dans l'équipe, hein. Ok, Sané, c'est sympa aussi, hein, mine de rien. On a eu un beau pack, hein. On a Walsh, qui peut-être être aussi une des joueuses qui va, pour l'instant, rentrer aussi. Et pas genre, du coup, je voulais voir, ouais, double 3, dommage. Déjà, on va prendre le prêt. Bah, je pense que Klaus ici sera le plus intéressant. Après, ah bah oui, Fer, t'en parlais juste avant, non? Mais je vais prendre Jonathan Klaus ici. De toute façon, je vais pas le jouer. Hein. Voilà, pour moi, le tège. Voilà. Voilà. En gros, un truc comme ça, ça passe un peu approximativement. Ok, on a que raté Jonathan David, quoi. Je vais pas te mentir, je vais m'en foutre un peu de lui. Alors, pack boost, écoutez, non vendable. Merde, je pensais que c'était vendable. Ok, bah écoutez, on verra ce que ça donne. Hein. Mais je suis pas forcément serein là-dessus. Belgique, défenseur droit.
Bon, on va s'éclater au sol, hein, j'imagine. Voilà, ça va s'en va. Puis bien sûr, bah, c'est un doublon et j'imagine... Non... Ah non, Vanda bloqué. Bon, ça va. Ça va. Il vaut rien. Hop là. Du coup, ici, on a 30 éléments. Bon, les doublons, je vous avoue, je vais peut-être pas refaire des SBC, donc il y aura de la perte, mais c'est pas grave. Bonne chance à tous. Allez. Oh, Mohamed Salah, énorme. C'est trop bien. Trop bien, non vendable Mohamed Salah. Et c'est déjà animé, c'est double animation qui pop, les gars. Mohamed Salah, c'est déjà incroyable. Oh là là. Oh là 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 là. Mais si, putain. Oh, oh ça perd. Oh, l'équipe de bâtard. Bon, ben, on va être obligé de jouer un milieu offensif. Oh, les packs invendables. Oh là là. Oh, c'est insane. Le pack, il est incroyable. Refais ton équipe. C'est la vidéo d'après, les gars. Après, là, les gars, ça va être les travaux. Oh, le pack. Attends, ça cache des trucs. Les gars, vous êtes vraiment à ce niveau-là de demander. Oh, la double animation, elle est insane. Les deux joueurs sont incroyables. Salah, Messi, ouais, petit Suarez aussi en animation. Marquinhos à l'intérieur du pack. Le respect est donc mort. Ah ouais, non, bah là, bon, bah on va devoir refaire l'équipe, les potes, hein, je vous le dis. Hein. Allez, oh là 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 là. Non, c'est incroyable. Eh ben, à voir, hein, pas te mentir. Oh, c'est incroyable. Incroyable. Moi, j'ai même pas envie d'ouvrir le dernier limite parce qu'on sait qu'on fera pas mieux. Oh. Bon, bah là, les gars, de ce que je comprends, hein, là, c'est aussi une double animation garantie. 80 joueurs rares, dont 2 avec une note de 86 ou plus. Wow. C'est parti, 3000 points. Ne faites pas ça chez vous, bien évidemment. C'est parti. Ok, c'est de l'événement. Mais non, bah non, mais non. Mais arrête, ils sont cons. J'ai déjà... Double anime, Mohamed Salah encore. Avec... God save. Voilà, c'est pas ouf. Après, ça peut cacher, mais... Là, c'est un peu con, ça. On va attendre un très gros SBC qui va peut-être nous intéresser. Parce que là, bon, là, on est dans la merde. Oh. Mais c'est quoi ce nombre d'animations? Aïe 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 aïe. Ouah, c'est tellement énervé les packs. Ouais, il était énervé celui-là. Mais nous pour le contenu, voilà, ça fait une belle vidéo et un beau pack opening. Et en vrai, bon bah on remplit le club de grosses notes, on est prêt pour les ce qui va arriver quoi. Et du coup on garde ça en doublon pour l'instant et nickel. Vas-y Di Maria. Par contre ils veulent vraiment me filer la hutte hein. Ils arrêtent pas de me la proposer. De toute façon je vais pas aller jouer ces joueurs. Ah peut-être une compétition, peut-être qu'on va jouer. On verra. Eh les gars, franchement, je vais pas vous mentir, Messi, il y a une petite histoire, hein, parce que c'est pas la première fois qu'on pack Messi au début de FIFA et qu'on va pouvoir jouer avec un des GOATs qui existe sur la Terre. Hein. Oh là là, c'est insane. Bon, bah, je suis désolé, hein, les filles. Au final, bah, ce sera peut-être pas votre moment. Hein. On va réfléchir, les gars. Les gars, je vais faire une pause, respirer un coup, et on va réfléchir, parce que je crois que j'ai Hakimi Nwanda. Ouais, les gars, on se fait l'équipe après, je reviens. Mais là, c'est dingue. Le pack opening, il était ouf, ça fait plaisir.